Troisième jour de l'Avent, on va partir les fessiers, les cuisses. Donc là, on va dégager la jambe droite derrière, comme ceci. Faites attention que le talon arrière est bien décollé. Donc ce qui est important, c'est de ne pas avoir le genou qui part en avant, le genou au-dessus des talons, voilà. Et on va essayer de ramener un petit peu plus le genou en dessous des hanches, que ça soit aligné. Là, pour mieux vous tenir bien droite, vous êtes ici et vous descendez la jambe arrière et vous remontez. Quand vous remontez, ne tendez pas la jambe arrière ou ne poussez pas les genoux en avant. D'accord? Donc pareil, on va en faire 5. 1. On inspire. 2. 3. 4. 5. Gardez bien les deux hanches face. Après, vous pouvez changer de jambe et refaire 3 fois de suite. Vous allez à 10. 1. 2. 3. 4. Et 5, ça fait 10. Et puis là, vous vous retournez, c'est la même chose. Vous allez garder bien les deux hanches face à la jambe avant pour l'équilibre. Les talons toujours décollés, on ne les pose pas. Et le genou un peu en dessous de la hanche, aligné genou, hanche, épaule. Et là, c'est parti. Donc, pourquoi les bras devant? C'est pour ne pas pencher le corps en avant. C'est parti. Hop. On inspire. Serrez bien, appuyez bien l'appui devant. Et surtout, vous voyez, quand je remonte, je n'étends pas la jambe avant, je pousse, c'est le genou arrière qui descend. Voilà. Le mouvement, il est comme ça, on essaie d'avoir les deux hanches face. On souffle, on inspire, souffle, inspire. Et je relâche. Donc là, pour l'étirement, donc là, il y a un petit peu l'intérieur des pouces qui travaillent, les fessiers, les cuisses. On va poser simplement, on peut refaire aussi celui-ci, hein, également. On va poser les talons devant, on pousse, voilà, ça tire toute l'arrière de la jambe avant, comme ceci. Voilà, vous poussez vers l'arrière, gardez bien la main en appui sur la jambe. Fléchis, vous restez pareil 30 secondes, vous changez, hop, vous vous mettez de profil, voilà, restez surtout bien de face. Vous soufflez bien. Donc là, je suis debout. Après, on verra un autre mouvement d'étirement au sol. Donc, on se grandit, on descend, jambes tendues. Et là, ça tire toute l'arrière aussi des cuisses, des fessiers. On se relâche complètement, on rentre la tête à l'intérieur. On ne fait pas d'à-coups surtout. On relâche bien la tête. Si vous posez les mains au sol, vous pouvez attraper les coudes et rentrer la tête. Mais relâchez vraiment complètement et vous remontez tout doucement. Voilà. On souffle bien et on remonte. Et voilà, troisième jour. Bonne séance, bonne journée.